Simplement, chaque Sénégalais a constaté que l'école sénégalaise ne va pas, que l'école va mal et elle va très mal. Donc il était important de s'arrêter, puisqu'on a atteint le seuil critique de voir quelles sont les causes de ces maux et de trouver une solution à cela. Maintenant, pour trouver cette solution, il est évident que ce n'est pas de rester au niveau central et de réfléchir avec des experts pour trouver notre école qui est l'école sénégalaise. Donc les autorités ont décidé de descendre sur le terrain, de rencontrer la communauté, de rencontrer les parents, la société, tous les acteurs, tous les Sénégalais, pour avoir leur contribution, leur avis pour notre école. C'est pour cela qu'on est là aujourd'hui. Là où je vous parle, il y a d'autres missions qui sont sur le terrain dans d'autres régions. Ça veut dire qu'on est dans les 14 régions du Sénégal pour recueillir toute contribution pour se retrouver dans une école qui est notre école, une école sénégalaise qui tient compte de nos cultures, de nos valeurs et de nos traditions. Vous savez très bien que les médias occupent une place primordiale dans cette démarche, qui est une démarche à la fois inclusive et participative, pour ne laisser en rade aucun élément ou aucun membre de la presse pour pouvoir nous aider à disséminer l'information au plus profond de nos localités. Donc, monsieur le préfet, le comité.